Escúchame, madre mía. Óyeme lo que te digo. Con las lágrimas en los ojos, el corazón en un grito. Amigos, comment ça va les amis? Moi, impeccable. On se retrouve pour vous parler tuto accord apprendre à jouer. Escúchame, madre mía. Une très vieille chanson. Alors, j'ai fait mes recherches. Ils disent date sortie, mais ça doit être remasterisé en 97. Alors qu'à mon avis, parce que cet artiste est décédé, mais est né en 28, je crois. Enrique Castellón Vargas, plus connu sous le nom de El Príncipe Gitano, le prince gitan. C'est à peu près en Espagne, la même époque que Lola Flores, tous ces artistes-là des années, je crois, fin 50 et 60, 70, 80, ça explose jusqu'aux années 2000. Et bien sûr, tellement de monde dans la rumba espagnole, même jusqu'en France, très connu, comme les Manolo Escobar, Porón Pompero, tous ces gens-là. Eh bien, ce Escúchame Madre Mía a traversé la frontière, bien sûr, mais c'était un monument en Espagne aussi, pareil, la même époque que, je vous le dis, les artistes Lola Flores, comme aussi Manolo Escobar, tout ça, tous ces vieils artistes qu'on rend un grand hommage. Donc, Enrique Castellón Vargas, plus connu, comme je l'ai dit, c'est plus facile, le prince gitan, El Príncipe Gitano, il avait fait cette chanson, bien sûr, si vous écoutez, allez voir l'original. Là, on va faire l'original, mais on va se l'adapter tranquillement, remasterisé en 2024. Mais plus sérieusement, la façon de Chico le Gypsy et bien sûr que l'artiste Mounine chante. Allez voir, je mets le lien dans la description. Pour moi, elle est au top comment il la chante, mais il fait l'original. L'original est plutôt un tango, tango bolero, hein, classé tango, donc tranquille. Je vais vous montrer le petit compas qui est assez simple aussi. Et je ne pense pas l'avoir appris ce compas, donc ça me fera un nouveau tuto compas, parce qu'on n'y pense pas, pour faire un petit peu les chansons tranquillement comme ça. Vous pouvez faire aussi un double golpé, un compas le plus utilisé. Moi, par rapport à la voix, on va faire capot 3, mais après, détachez-vous sans capot. Elle est pas mal aussi, plus grave. Capot 1, capot 2. C'est quand moi je fais, quand je monte en aigu, elle est plus sympa. On va rester capot 3 pour chanter tranquillement. Et elle est jolie, assez aiguë. On va la déchiffrer, c'est très facile au niveau des accords. Il va y avoir du mi mineur, du la mineur, du si septième, presque tout le temps, la même boucle couplet-refrain. Et à un moment, vous verrez, il y aura un ré et un sol. Et à un moment, peut-être un mi 7, je m'en souviens. Oui. Couplet 1, couplet 2 sera exactement pareil. Il y a une petite fin où tu peux, je te la montrerai. Et le refrain, donc couplet 1, couplet 2, on va faire une seule fois bien sûr le couplet, le 1 ou le 2 ça sera pareil, on va faire le refrain et je te montrerai la petite fin, et après à ta façon de te détacher, tranquillement un arpège, tranquillement en faisant ça, et après tu fais ce que tu veux, ok? Je te montre le compas que je choisis, par exemple sur un mi mineur, je vais faire ça. Je vais faire la rythmique, ça sera ce compas. Alors comment il se décompose ce compas sur un mi mineur capot 3 pour que tu le fasses, regarde doucement. Le premier impact, ça va être ça, une descente tranquille. Alors tu peux faire ça aussi. Mais descends. Après tu vas monter. Regarde. Ok? Et après il y aura un tchac. Assez dur à décomposer quand on est lent. Regarde. Ok. Bon, je
ferai un tuto encore dessus, mais tu vas t'imprégner de ça et voilà. On va décortiquer sans le compas, après on verra le compas ou sans compas, le premier couplet. La boucle, ça sera tout le temps ça sur le premier couplet. Mi mineur, La mineur, Si 7 et Mi mineur. À peu près les mêmes temps, toujours deux accords, enfin deux temps comme ça. À peu près, après bien sûr, faut pas, ne fais pas du copier-coller exactement les mêmes temps. Si tu es plus long à chanter, ben tu seras plus long sur l'accord. Claro que si, c'est normal. Allez, on va faire le couplet 1, regardez. Après, prenez les paroles. Les paroles, allez, les paroles, c'est cadeau, je vous les mets en commentaire épinglé. Il va avoir marqué les paroles de la chanson. Le premier commentaire, c'est moi qui veux le mettre. Ce sera les paroles. Je mettrai couplet 1, refrain, couplet 2. Elle n'est pas belle la vie avec la petite phrase à la fin. Allez, couplet 1 avec un petit compas qui rentre en jeu, vous allez voir. Voy rodando por la vida como un pobre peregrino. Se me ha cerrado la puerta. No me quedan amigos, ya está mi madre adorada, llegó a dudar de su hijo. Et là le couplet 1 il est tranquillement fini, on refait. Voy rodando por la vida como un pobre peregrino. Et ainsi de suite, à chaque phrasé, c'est toujours pareil. Se me han cerrado la puerta. Ya no me quedan amigos. Y hasta mi madre adorada. Llegó a dudar de su hijo. Tu peux faire à la fin. C'est parti pour le refrain, version originale. Mais si elle est tranquille, ça fait Escúchame, madre mía. Óyeme lo que te digo. Version Mounine, ça fait un peu plus comme ça. Escúchame, madre mía. Óyeme lo que te digo. Con las lágrimas en los ojos. Corazón en un grito, la pasas, véanme. En un lenguaje me ha matado. La calumnia es un cuchillo. Pero mi vida es tan clara como los aguas de un río. Madre mía, lo juro por tu cariño. Voilà le refrain. Couplet 2, tu fais exactement pareil. Tu choisis ou tu es toujours comme ça dans les couplets. Ahora me pierdo en las sombras. Petit aussi arpège au cas où. Ya no has luz en mi camino. Joli aussi. Se la apagaron los ojos. Pourquoi pas? Y a la flor de mi cariño. Et après tu peux faire. El día que la enterraron. Quedé más muerto que vivo. Escúchame, voilà le couplet 2, voilà, tu fais à ta façon, tranquillement comme ça. Après, tu apportes ton compas aussi, ou alors que le compas refrain, tu fais ce que tu veux. On a fait couplet 1, on a fait le refrain, le couplet 2, je viens de te faire une petite partie, tu fais ce que tu veux. Et à la fin, un moment, tu refais le, donc, couplet 1. Refrain, couplet 2, refrain, et à la fin tu fais une dernière phrase en mi mineur, la mineur, si 7, mi mineur, tu fais
desde el cielo, madre mía. Escúchalo, 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 que te digo. Là, je finis comme ça, mais tu finis comme tu veux. Donc, tu as vu la dernière phrase, pareil, mi mineur, la mineur, si, 7, mi mineur. Tu peux faire par exemple, desde el cielo, madre mía. Ou alors, escúchalo, 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 que te digo. En douceur aussi, à toi de la porter à ta façon. Moi, tu vois, là, j'invente, j'improvise des façons. Ben, je vais trouver ma façon aussi pour l'interpréter cet été. Allez, j'espère que ça t'a plu. Le petit like, partage, apprends. Il y a les paroles là. Écoute la version Moonin, écoute la version Principe Gitano. Fais ton choix, fais à ta façon. Et fais à ta façon, et fais à ta façon. Je l'ai trop dit deux fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Un abrazo, madre mia.